remercier nous parce que nous faisons déplacement pour venir couvrir 54e sortie le lundi de la presse, qui c'est tout début pour une semaine spéciale autour de la rentrée des classes. Maintenant, pour débrouiller la semaine, nous avons avec nous le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, qui c'est M. Pierre Josué Agenor Kader, qui va parler nous de dispositions qui prend pour ouverture des classes là, qui c'est lundi 3 septembre. Là. Avec nous, mesdames et messieurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Merci beaucoup, directeur. Je salue d'abord et tout le monde de la presse qui est présent. Je salue tous les parents, tous les élèves, avec tous les enseignants, puisque aujourd'hui, c'est déjà rentrée des enseignants qui passent à l'école pour planifier horaires et autres. N'a essayé très courte dans San Juan de Lao de manière pour nous quitter un peu de place pour questions journalistes. N'a seulement synthétisé l'idée. Et tout d'abord, nous sommes capables de dire, en termes de gouvernance, pour aller ça avec l'entrée d'école là, Jean nous connaît, nous avons hérité tout fardeau dans la question professeur d'école, enseignant qui était trouvé en situation irrégulière dans le système, là, les noms étaient montés. L'aime faire contact ministère, tout chiffre qui était connaître, il y a environ 4000 enseignants qui n'étaient pas de lettres en main. Pourtant, aujourd'hui, nous déjà distribué plus de 5000 lettres enseignants qui fait nommer. Et dans pile dans qui commençait à recevoir salaire. Même si nous avons dit qu'il y a 2700 qui étaient de lettres depuis 10 ans qui n'ont pas de touché, eh bien là, nous venons faire gros calcul, nous venons plus que 3000. Et aujourd'hui, plus de 95% d'entre eux déjà touché. Et toute reste pour toucher, c'est ça nous va devoir une lettre pour te faire avis financier. Et dans pile qui est déjà en traitement ou en finalisation dans le ministère des Finances. Non seulement on a parlé d'enseignants qui étaient en situation irrégulière dans sa déclaration, mais gagné tout en pile contractuel qui était gagné dans l'État. Et depuis 4 mois là, c'est ça n'a fait. Côté n'a nommé en pile monde qui devait contrat dans Méo, pour qu'il vienne bénéficier de tout avantage l'État capable de bailler. Et aujourd'hui, on a continué avec traitement ça, tout ça qui est bon en qualification pour nous capable de nommer. Toujours en termes de gouvernance du système, nous prenons des mesures pour entrer à l'école l'ANSA, tant qu'on souffre scolaire, côté nous demander tout directeur lycée sous peine de sanctions extrêmement graves, pour ne pas prendre plus passer 1000 gouttes dans mes timounio pour toute année. Et dans 1000 gouttes, ça, tout d'agré la donne. 1000 gouttes d'agré la donne, ça connaît les dépliants, ça connaît les cadres d'étudiants, etc. Et nous avons pour être capable de faire nettoyage en dans le lycée dans l'agence à l'eau. Nous prenons l'autre décision toujours pour nous dire nous pas d'accord avec la question qui est sous-traitance. Parce que je dis à tout pendant ça, enseignants qui sont dans la salle de classe en situation régulière, et pourtant c'est enseignants qui ont pour l'autre maître qui n'est pas là, qui a un chèque qui a sorti. Donc c'est ça que je dis à là, nous mettons fin à la situation ça, qui c'est question sous-traitance. Bon, question tout qui mettait nous dans ça, nous y est là, c'est question côté autorité qui dans l'État, autorité politique, inspecteur, directeur de Bacontal, directeur de l'école, qu'on prend plaisir, non, mais mon. Jodia, nous voyons un gros et pingabayo, nous dit, seul l'État qui autorité nominative. Et c'est seul le Premier ministre qui est capable de nommer, ou bien ministre éducation lui-même, s'il y a une délégation au Premier ministre, ou bien capable de nommer avec approbation Premier ministre. Donc, toute décision en autorité est capable de prendre, qui par autorité nominative, les nuls et non avenus. Et dans la semaine ça même, nous avons un gros lettre de blâme, nous avons voyé un directeur départemental qui lui-même peut oser nommer un directeur de l'école dans le troisième cycle qui va même exister encore, qu'on a assez l'école fondamentale complète avec l'ICI. Nous prenons l'autre mesure toujours et concernant les questions de la gouvernance, et bien côté nous demander, et nous pendant la combat de corruption avec l'agent particulier sans pas de monde qui a travaillé pour eux, nous mettons tout campé dans le ministère, plusieurs équipes de supervision, l'aide école nouvelle qui va marcher dans tout le lycée, dans toute l'école fondamentale, l'école d'État, pour contrôler la présence professeur. Parce que très souvent, nous remarquons que, et bien, en pile côté, si nous avons dit jour de classe, il n'y a pas de résultats baccalauréat. Il bon, faut que nous disions tout en parlant de résultats baccalauréat. C'est une fois dans l'histoire du pays d'Haïti, l'école a pas ouvert, tout résultat déjà proclamé depuis le week-end.
Donc résultat session extraordinaire. Parce que j'ai dans la période moi-même d'apprendre au baccalauréat, ou bien tout récemment toujours, eh bien l'école qu'on ouvert, correction pour jambes finies. Eh bien, année ça, toute bagaille déjà fait prêt. Nous avons l'autre mesure, nous prenons toujours, nous n'avons pas besoin d'être sur nous, on nous passe qu'on y a dans l'autre domaine, nous apprend accès à l'éducation. Eh bien, pendant que nous parlons là, il y a environ 11 centaines de chantiers eh bien, pour reconstruire l'école. Et gagner 30 nouvelles écoles fondamentales, eh bien, ils vont lancer marché pour eux. Pendant ce temps, pile lycée, en pile école nationale, marché déjà lancé pour eux. Et comme nous dans l'Ouest, par exemple dans l'Ouest, nous avons le lycée Marie-Jeanne, nous avons le lycée des jeunes filles, nous avons le lycée Daniel Pignolet, nous avons le lycée Antoine Isbéry, eh bien, et tout marché sont déjà lancé, faculté de sciences humaines, tout, et nous avons le journal de l'Ouvelis, côté où lancé marché pour reconstruire le lycée ça. Bon, lycée qui, bon, nous avons pile problème dans l'État, c'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous dit, on lycée que le Jean-Jacques Dessalines, depuis 12 janvier, eh bien, tremblement de terre à côté de l'année, si nous avons à vivre à toute position dans mauvaise condition. Eh bien, aujourd'hui, dans le budget, nous mettons pour reconstruire. Cependant, nous mettons rencontre avec gros autorités dans l'État pour charger un bel espace pour nous capables de construire le lycée. Parce que côté lycée Jean-Jacques Dessalines, il a fait toute bataille, moins au lycée. Parce qu'il n'y a pas d'espace même pour faire une bonne école nationale selon la nouvelle norme que nous établissons pendant le ministère de l'Éducation nationale par le truchement de direction génie scolaire. Non seulement ça, il y a près de 500 écoles que nous devons réhabiliter. Nous pouvons comprendre très souvent nous ça dans les réseaux sociaux. Les nalflins et nous, tout, nous avons pile l'école dans le pays qui a évolué dans de très mauvaises conditions. Espace pas bon, local pas bon. Et pour nous dire aujourd'hui, si dans tout le pays d'Haïti, il y a plus passé 20 000 écoles, et 20 000 écoles là, et bien l'État a plus passé 3 000 là, et bien les nous arrivés dans le ministère, il y a au moins 2 000 là qui étaient en mauvais état. Mais aujourd'hui, il y a plus passé 500 qui réhabilité et dans pile l'autre tout qui va reconstruire. Donc, nous pensons tout à ça, selon instruction président Jovenel Moïse, eh bien, nous avons un pays pour nous sauver, nous sommes capables pour l'autre pays. C'est ça que Alessa nous déclaré, eh bien, c'est depuis avant l'école là qui fermait, côté reboisement obligatoire dans toute école, quitte c'est dans le réseau public, quitte c'est dans le réseau privé. Côté nous avons plus passé 4 millions de monde, eh bien, qui peuvent planter des bois, côté action, tout plan déjà préparé pour ça, il est fait. Nous avons protégé tout l'école avec là nous avons dans l'autre domaine qui c'est accès alors nous dit plutôt amélioration qualité éducation hein. Nous connaissons en Haïti et depuis quelques temps toutes études ont montré que nous avons 70% enseignants nous qui méritent de joindre bon genre recyclage et bien nous mêmes pendant nous là nous mettons campé et bien en politique nationale de formation des enseignants et des cadres qui commençait par mettre en œuvre là et n'appelle conformément aux normes de la nouvelle technologie de la communication et de l'information. Entre-temps, il y a gagné dans tout département PIA, depuis le passé, des équipes du ministère, des techniciens, des spécialistes qui passaient à faire consultation sociale pour s'annouer le plan décennal que nous allons valider là très prochainement. Côté nous, avons un plan éducation pour pays d'Haïti pour 10 dernières années qu'il y a eu, sorti 2018 et 2028. Nous dit éducation pas de l'été, j'en ai longtemps, faut que nous moderniser, faut que nous innover dans la question éducation dans le pays d'Haïti. En dehors de tout ça, nous avons tout encouragé la question et santé dans l'école. Yo. Si vous passez dans plusieurs écoles, vous avez un bloc sanitaire, vous avez fait. Et gagnez tout et dans le ministère, en direction santé scolaire, qui a travaillé sérieusement. Bon, équipe l'école que l'école amie de l'hygiène, et bien dans l'école de Saint-Jean-Diala, il a fait camper des clubs, il a formé des clubs de santé scolaire dans toute l'école. Yo, et son bagage, on va chercher, généralisé à travers tout le pays. Faut que nous disions tout à ça. Contrairement à ça, nous avons démarré son station radio dans la capitale là, nous venons là pour nous dire la vérité. C'est une fois en Haïti, nous avons lancé bien bonheur, marché pour subvention manuelle scolaire avec dotation. À ça, eh bien, tout le monde est obligé de marcher au pas. Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, l'État investit autant d'argent pour question subvention avec dotation. Donc, contrairement à ça, nous avons dit sur matin, l'État a laissé dépenser plus de 780 millions de goudes pour subvention avec dotation.
dans toute année passée yo, eh bien les plafonds par exemple dépassé 600 millions mais année ça nous dépassé 780 millions pour subvention manuelle scolaire avec dotation. Cependant, il y a un pile imprimerie éditeur qui rentre dans bagage ça et moun yo dans société à compte son seul mais il y a plusieurs tant qu'il y a pédagogie nouvelle, il y a édition Wester Manuel, il y a copie vite l'action sociale, il y a C3 groupe SA. Donc il y a pile l'autre éditeur encore qui rentre et bien dans domaine là à l'ESA et bien parce que nous t'ai lancé pour la première fois en question de marché public. Côté même livre qui en dotation, livre et nous mettez en subvention, c'est un sac qui fait gré à gré, un sac qui fait selon les normes, selon la loi, côté ces marchés qui sont lancés. Donc, peut-être que vous avez parlé maintenant sur Radio A, il a parlé seulement pour traiter plus, parce que chaque année, il y a une plus, mais en essayant de la distribuer, côté tout éditeur, joue une portion par lui. Et je dis à la, il y a une bonne politique pour nous être comment nous capables de résoudre le problème ça, qui tourne en gros zo dans l'État, pays d'Haïti, et nous regardons comment nous capables d'améliorer. Et depuis l'année passée, nous commençons à porter gros améliorations dans la situation de dotation et de subvention. Et si année ça tout, nous avons plus et manuel en dotation et en subvention. Plus de millions de chaque côté. Donc c'est ça que nous devons porter pour nous comme gros précision. Et en plus de ça, j'en nous attendais là, et bien le gouvernement lui-même déjà prend des mesures assez fortes pour accompagner Mounio, pour vous dire à plus bas. C'est comme ça, tout employé de l'État, et bien, depuis, non seulement depuis le 13 août, il a commencé à payer, puis il est capable de joindre l'argent pour préparer, rentrer l'école petite, employé de l'État. Et en même temps, tout, et bien, le gouvernement, la présidence notamment, a décidé, bah, Mounio, un salaire pour appuyer, rentrer l'école. Qui pas au 14e mois, j'enquête mon abdil, parce que pour 14e mois, pas d'autres provisions légales. Cependant, tout le monde qui travaille dans l'État, qui a un salaire, qui arrive 25 000 gouttes, lui joigne 100% de salaire là, pour être capable d'appuyer l'entrée de l'école là. Tout le monde qui a un salaire qui dépasse 25 000, arrive 46 000 gouttes, il va lui 50% de salaire pour être capable de joindre appui pour entrer l'école là. Tout ça gagne plus parce que 46 000 gouttes eux-mêmes, il joigne 25%. En plus de tout ça, yo, eh bien, subvention manuelle scolaire, eh bien, appui à l'entrée de classe, le ministère de l'Éducation nationale lui-même, puisque ce n'est pas lui-même que le gouvernement passé pour faire tout le travail ça, yo, eh bien, nous-mêmes, nous avons lancé pendant 3 semaines en question de subvention études pour élèves qui sont en primaire, dans secondaire et même dans l'université. Côté jeudi à là, nous déjà traité plus, nous avons recevoir plus passé 20 000 dossiers qui déposés et nous passer des instructions pour la directrice de département qui a fait même travail ça dans le département qui a porté nous pour nous traiter yo. Donc à travers le pays, pas seulement dans l'ouest mais dans tout le département yo, subvention pour entrer l'école là lui-même l'y rivé. Donc c'est comme ça là nous prenons toutes les mesures ça pour nous si nous avons chaque année c'est toujours le même peuplement, donc il y a tout difficile mais année ça, nous prenons en pile mesures pour nous capables de rendre et bien plus ou moins et facile pour nous. Et faut que nous dit tout et je dis à la sous plus passé 700 et sous plus passé 4 millions de personnes qui sont dans l'école et PIA et privé dans le public, et bien il y a 720 000 qui trouvent dans l'État, sortis dans la première année, privé 6e année. Et Maman Loi PIA dit, si les gens qui sont en première année, privé 6e année, pas de payer un goût pour faire l'école. C'est ça que fait l'État lui-même prend engagement pour payer 400 gouttes par tête chaque petit monde qui trouve dans la classe à eau, sorti dans la 7e, dans la première, pour venir dans la 6e année. Donc c'est ça l'État fait à l'ESA, et l'État a déposé 50% de COBLA, et après l'a déposé reste 50%. Donc c'est pour ça que nous prenons toutes mesures pour l'ESA, toutes bagailles bien passées, et pour nous finir, on a dit que, d'après vos constats que nous faisons, comme enseignants ou de notre classe en situation irrégulière, faut que nous nommions, aujourd'hui, nous nommons plus de 5000, mais nous rendons compte tout. Dans le plus fort lycée dans le pays, dans tout le département du pays, lycée ont plus d'enseignants parce que ça on a dû gagner. Je dis à là, nous finissons de mettre tout ça que nous avons nommé, et bien nous pouvons mettre l'ordre dans le système. Non? Tout ça qu'en plus dans telle école, nous allons prendre pour nous augmenter l'accès à l'éducation. Merci beaucoup.